right. Oh, il faut qu'on boive. Bienvenue, bienvenue à tous dans cette survie du week-end. Du nouveau, donc on a eu, il y a eu deux fixes, deux mises à jour, deux petites mises à jour depuis le dernier épisode. Donc on va voir un peu si ça a corrigé des quelques problèmes, genre les chargements, les problèmes avec les chargements, un truc comme ça. Donc on va voir. En tout cas, donc, dans le dernier épisode, on avait combattu l'ours, on avait récupéré toute sa viande. Je me rappelle, on est ici, on avait laissé toute la viande ici. Et on avait dans l'optique d'aller, d'utiliser cette grotte pour aller à la vallée de la rivière Calme, qui est apparemment une zone assez difficile. Alors j'avais dit après qu'on allait faire un épisode où on fouillait un peu Milton avant d'avancer. Mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. On va dire que je pense qu'on a tout fait. Après, on pourrait un peu redessiner la map ici ou là. Mais honnêtement, je pense pas que ça serve à quelque chose. Ça sert vraiment à quelque chose. Après, on pourrait toujours aller chasser l'élan et tout. Mais je pense que je suis plus pour de l'aventure. Donc je crois qu'on va y aller maintenant dans cette zone-là. On va y aller maintenant. Alors, on va voir combien de flèches on a, parce qu'on avait, ramené plein de bois et tout ici, pour faire les flèches. Normalement, on a des objets, on a des fûts de flèches ici. Fais voir un peu. On a 7 flèches en tout. Intéressant. On va déjà prendre notre équipement. On a 7 flèches en tout. Alors on n'a plus d'eau. Ok, on va rentrer. Alors on va déjà rentrer à Milton, je pense, et on va aller récupérer des flèches. Et le chargement n'a pas été vraiment corrigé apparemment. Ça c'est des torches. On va les prendre, on les détruira quand on sera à la maison. Oh, c'est un cerf, ok. Donc on va rentrer. Bon, il fait pas trop froid. On va même sprinter un peu. On va rentrer. On va récupérer des flèches. On va en prendre 11 en tout. Genre on en aura 10 et une décochée dans le... décochée. Une en joue avec l'arc. Donc on en aura 11 en tout. On va faire ça. On va prendre de l'eau. On va prendre au moins 5 litres d'eau. Comme ça on n'a pas besoin d'en faire. On va prendre... on va regarder si on a assez de thé aussi. S'il nous reste assez de thé. Et on va prendre au moins 2 kilos de viande. Et on va partir. Je pense qu'on va faire comme ça. Je crois que c'est un peu le... C'est un peu la meilleure chose à faire. Parce que j'ai pas trop envie de tourner en rond sur les mêmes zones. Ça devient fatigant en fait. J'avoue que ça devient un peu fatigant. J'espère vraiment... Que les mods, le support mod va arriver cette année. Ils en ont parlé en fait par rapport aux mises à jour qui arrivent. Comme ça, ça renouvellera un peu le jeu parce que ça fait... C'est ça, on tourne un peu en rond quand même. Enfin, ça dépend de mon humeur. Enfin, je parle pour moi évidemment. Ça dépend de mon humeur. Et c'est vrai que... Que des fois, c'est un peu épuisant en fait. C'est un peu épuisant. Le fun s'en va au fur et à mesure qu'on avance. Donc avec les mods, ça peut redonner un petit souffle au jeu. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment sympa. Bon, moi, je sais pas faire de mods, hein, attention. Des loups, Hamilton, apparemment. Moi, je fais pas de mods. Par contre, j'ai des idées. J'ai très bonnes idées avec, avec des détails et tout ça. Mais après, faire-moi les mods, non. Ça ne marche pas comme ça. Alors, on en avait 7. On va prendre 4, ça nous en fera 11. Il y a ça à faire. Alors, on va passer la grotte. Est-ce qu'on prend une lampe ou pas? Je suis en train de... Le problème avec la lampe à chaque fois, c'est que ça va faire encore 2 kilos à porter. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment trop à chaque fois. Donc je pense qu'on va rester avec les torches. On a une torche à 100% en plus.
On va regarder combien de... Combien d'allumettes on a. On a 15. Ouais, 15 avec le fire steel et tout ça. Enfin, on va garder le livre. Ça. Ça. Les vêtements, ils ont l'air d'être en... Ouais, bon, ça va, ils sont en bon état. Ça, la viande, on fait pas attention. De toute façon, on va la manger. À la bonbonne. À la bonbonne, on va peut-être prendre une nouvelle bonbonne. C'est embêtant, parce qu'à chaque fois... C'est plus lourd, la bonbonne est plus lourde, du coup. Ok. On va poser les bâtons... dans la cuisine. Parce que cela on n'a pas besoin. Hop, hop, hop. Voilà. 5 kg d'eau. Enfin 5 litres. Voilà. Très bien. On va manger ça. Donc maintenant on retourne au bungalow là. Mobile home, pardon. Je dis bungalow, c'est même pas bungalow en fait. C'est mobile home. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot en tête. On va retourner au mobile home. Ah, très bien. On retourne au mobile home, on va dormir là-bas, on va se reposer au maximum, puis après on part. Puis après on part. Alors par contre, il va peut-être faire nuit, ça c'est peut-être un peu un problème, on va voir. Ça va dépendre du temps en fait, c'est pas... honnêtement ça m'embête pas vraiment qu'il fasse nuit. Tant qu'il fait pas froid, moi ça me va. Après, je me demande si si on va trouver vraiment des choses intéressantes là-bas. J'ai peur, honnêtement. J'ai peur d'une chose, c'est que ça soit une aventure pour rien. Genre, qu'on y soit pendant plusieurs jours et qu'au final, ben, ça nous avance à rien parce qu'on récupère rien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu peur de ça. Mais bon, on va voir. De toute façon, on est là pour explorer. Hein. C'est pas très grave. Là pour explorer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la mise à jour? Ah oui, il paraît que maintenant ils ont rajouté le fait que les graffitis là se détériorent, donc au bout de d'un nombre de jours, peut-être 30, un truc comme ça. Je vais voir si on peut passer par là, genre couper. Non, mais c'est là d'où je viens, il y a les pas. Apparemment ça s'efface. Honnêtement je pense qu'ils auraient dû les laisser indéfiniment. C'était pas vraiment... On peut passer comme ça? Ah on peut passer. Alors, attendez, on va dessiner en parlant de ça. Hop là. Hey, comme ça on sait qu'on peut passer comme ça. Ils auraient pu les laisser honnêtement parce que bon... Les jours dans The Long Dark, en fait, ça va vite à chaque fois. Ça disparaît, ça passe assez vite. Donc je me dis, à la limite, autant les laisser indéfiniment, ça va pas vraiment être un problème. Enfin bref, ouais, c'est juste mon avis. C'est vraiment juste mon avis. Ok, on va dormir... 6 heures. De toute façon, elle va être... Elle va se réveiller avant, mais c'est juste pour dormir. Et on va partir. Et tout simplement, on va partir pour la grotte. Ok, très bien, elle est en pleine forme. Ok, parfait. Ah, c'est parfait, là. On a 3 morceaux de viande, toujours, mais il est à 0,05, je crois, donc on va faire 3 pas et on va pouvoir manger. Ah, il fait pas froid, en plus. On fait 3 pas, elle va pouvoir manger, donc on n'aura pas à se soucier de ça. Il fait pas froid non plus. On a de l'eau, on a les thés, on a les flèches, on a le sac de couchage. On est bon, on est bon. On est bon. Les lapins ici.
Tu veux venir avec moi? Non? Bon. Bah, je lui ai demandé au moins. Alors on va se réchauffer en passant par la grotte. Et après on sortira. Alors pour moi ça sera la découverte hein, cette zone. Ça sera complètement la découverte. Donc j'espère que ça va bien se passer. De toute façon après si ça, jamais ça se passe mal, on retourne dans cette grotte là parce que nous on est protégés dans cette grotte. Même s'il fait moins 5000 degrés dehors, nous on risque rien. Une fois qu'on est dans la grotte. Donc ça, ça c'est un bon... C'est une bonne chose on va dire. C'est une bonne chose. D'accord. J'avais dans l'espoir de... De pas avoir à allumer une torche en fait. J'avoue être un peu dégoûté. J'avais vraiment dans l'espoir de pas avoir à allumer. Il y a du charbon, ça c'est bien. Des pierres. On est à combien de kilos? 39. Ah ah. On va prendre ça. On va prendre... Si on voit des gros bois, on les prend. Les brindilles, non, parce qu'on va sûrement en trouver. Ah, tiens, il y a un cadavre là. On va sûrement en trouver. Mais si c'est du bois comme ça, on le prend. Parce qu'on va devoir faire des feux sûrement. Vous savez, comme d'habitude, plusieurs feux, on se réchauffe avec les... on se réchauffe avec les thés, tout ça, on avance, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur que peut-être on va utiliser beaucoup de... d'allumettes, mais on va essayer de pas les utiliser, on va essayer de vraiment être économe, mais... C'est pour ça que je suis en train de me dire peut-être qu'on aurait dû prendre plus d'allumettes, je sais pas. Bon après on a, comme j'ai dit, on a le fire steel. Je suis en train de trop réfléchir en fait. De me dire à chaque fois, est-ce qu'on aurait dû faire prendre plus de choses, etc. etc. En fait on est bien comme ça. Ok, on va déjà dessiner ça. Je suis allé tellement vite que j'ai pas... Okay. Bon, on a déjà le... Ah, on se réchauffe. Ouh, cool. Non, attendez, est-ce que ça, je veux l'enlever, par contre. Voilà. Comme ça, on n'a plus l'odorat. Ah, mais c'est bien, on a chaud. Cool. Vous croyez que c'est un chemin? Ah, peut-être un chemin, là, il y a des... Oui, ça, je crois que ça, c'est un pont naturel, genre, on peut vraiment y aller... Alors, on peut aller à gauche. Je me demande si on peut aller là. Genre, on dirait qu'il y a une sorte de zone. Mais je sais pas comment on monte. C'est joli, en tout cas. Alors, on va aller vers l'avant. On va continuer vers l'avant. On a un peu froid. On a froid ou chaud? Quand on est protégé... Non, ça a dû se refroidir un peu. Ouais, 0 degré. On est en hauteur. Par contre, à cause de ce temps, j'ai peur qu'on puisse pas dessiner. Enfin, on l'a fait pour la grotte, quand on est sorti de la grotte, donc... on va voir. On peut descendre à droite. On va peut-être descendre. On va voir un peu où ça nous mène, tout ça. Je crois qu'on est en hauteur. Je crois qu'on est... Ouais, ouais. On... Wow. Okay. Ah là, bah, ça va faire un beau dessin, là. Wow, ok, cool. Est-ce que vous voyez des choses qui bougent? Pas l'air d'avoir grand chose. Bon, on va. Là, il y a un arbre cassé. On va aller sur la droite, on va descendre. Pas l'air d'avoir grand chose. On y va. Alors, il faudrait trouver. Alors, vu que c'est une nouvelle zone que je connais pas. Bon, déjà, on sait que par là, on est en sécurité, donc il faut se rappeler de ça.
Mais il faudrait trouver des endroits pour se reposer, genre ou des grottes naturelles ou alors un endroit un peu cuvette, vous voyez, un peu clos, pour qu'on puisse faire du feu, des choses comme ça. Il faut qu'on récupère un peu de brindilles et tout ça aussi. Je regarde s'il n'y a pas de... J'entends du bruit. Je suis quasiment sûr qu'il y avait quelque chose qui marchait dans la neige. Ah oui, j'ai recommencé à jouer à Escape from Tarkov parce qu'il y a eu le wipe il n'y a pas longtemps. Donc du coup, maintenant, pour tout ce qui est bruit et tout, je suis grave à l'affût, quoi. Oh, ours. Ours, d'accord. On a déjà un ours, on pourrait chasser l'ours. Est-ce qu'on veut chasser l'ours? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a beaucoup de bordel en fait. Tout est cassé. Il n'y a pas des... Je sais pas, quelque chose. Ouais, non, mais on va pas aller par là. Non, j'ai pas vraiment envie de chasser l'ours, parce qu'encore une fois, si jamais il meurt pas vite, on va devoir le pourchasser. Ça va être un peu embêtant. Ce qu'on va prendre, si vraiment pour faire à manger vite fait, c'est les loups, on va passer par là. Les loups, les cerfs, les lapins. Parce que si on tue un ours maintenant, on va devoir rester à côté de la carcasse 3 jours. C'est embêtant, quoi. Ah, okay. Yam, il y a du feu là, il y a de la fumée. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi qu'on pourrait aussi récupérer la peau. Ça pourrait être intéressant. Ah, il y a une corde. On va pas y aller parce qu'il y a le loup en bas. Attends, regarde droit devant. Il y a une carcasse à gauche. Carcasse de cerf, j'ai vu, sous la roche. Oh la vache. Je crois qu'il faudrait prendre cette corde pour aller à la fumée là qu'on a vu. Ouh, il y a des choses. Intéressant. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est prendre ça. J'avais peur que le loup trouve un moyen pour monter. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas dessiner, en fait. C'est juste parce que je l'avais dans la main et sur le coup, elle a dessiné au lieu de... Du coup, t'as dessiné quoi? Un sac à dos. Oui, sac à dos là. Corde là. Okay. Il est juste en dessous de nous, je crois. Peut-être qu'on peut passer. Alors, peut-être qu'on peut passer par là, ou alors c'est la corde. Et honnêtement, j'en sais rien. Là, par contre, pour descendre, ça va être la merde. Moi, j'ai bien envie de prendre la corde, en fait. Par contre, c'est qu'on est en surpoids. Ah, lâche-moi la grappe. Non. Alors. Il peut pas monter, donc on risque rien. On va manger ça. Normalement, je mange pas les trucs en mauvais état, mais... Il peut pas monter. On va lui mettre une flèche. Un peu embêtant, en fait.
Ah non, je suis bloqué. Non. Je suis bloqué. Non, on peut descendre. Ah là 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 là. Quelle merde. Je voulais faire un peu le tri de l'inventaire avant, mais apparemment on peut pas vraiment. Parce qu'on a le loup et on peut pas remonter en fait. On va faire une pause là, on va dormir une heure. Oh, c'est parfait ici. C'est parfait. Dormir, ça. Il fait moins de 3 et on a 10 degrés. Est-ce qu'on dort un peu plus ou pas? Le temps de se... Non, ça devrait aller. Non. Après, on a un café de toute façon. Non, je préfère dormir tout en haut. Je préfère dormir tout en haut. J'espère qu'on va avoir une récompense, hein, de prendre cette corde là. Oh, comment elle fatigue. Allez, dépêche, dépêche. Parce que là, elle va commencer. Les 40 kilos là, ils vont commencer à baisser. Ok, très bien. Très, très bien. Donc, notre but c'est d'aller sur la gauche. Parce qu'il y avait le feu à gauche. À la fumée en tout cas. Je vais voir ce que c'est. On a... Ah, il nous faut du bois parce que j'ai tout balancé. L'eau, c'est pas grave. J'aurais dû balancer toute l'eau à la limite. Ah là là. Oh mon dieu. Il y a quoi là-bas? Il y a une grotte, je crois. Ah non! Non! Oh putain, en plus on a pris la mauvaise arme et tout ça. Oh mon dieu! On peut recommencer? Est-ce qu'on peut recommencer le jeu? On a une hémorragie. Et on a un risque d'infection. On a une entorse. Non! On a perdu notre cache-oreille. Il y a le loup, là. Saloperie. Il y a une grotte ici. Non, on a perdu notre cache-oreille. je suis dégoûté. C'est bien. Ouais, c'est une grotte. Ça a l'air joli, c'est bleu. Mon dieu, le truc c'est d'avoir. Honnêtement, c'est. C'est un peu con le système de choisir son arme, quoi. Fallait pas que je panique. J'ai un peu paniqué en fait sur le choix de l'arme.
Du coup, on n'a pas pu riposter. On aurait... Si on avait eu la hache, je crois que la hache couteau, c'est le mieux. Oh, grotte de glace. Hache couteau, et on aurait pu... Ouh. Crotte de glace. Il y a des bestioles dedans. Je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Enfin, c'est pas grave, maintenant c'est fait, c'est fait. Faut qu'on regarde l'état de nos vêtements. Ça a pris cher. Ça a pris cher. Les moufles aussi, ça a pris cher. Ça, on peut le détruire, en fait. Ça fait chier. Merde, je vois rien. C'est un mur ou il y a que ça continue? Ok, ça continue. Alors déjà on va faire ça. Ah là 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 là. C'est quoi ça? La neige? Il y a vraiment des loups à l'intérieur. Ok, attends. Faudrait descendre. Non. On va peut-être pas descendre en fait. Enfin, s'il approche, je voudrais bien le voir en fait. C'est bon, on l'a eu. On peut faire un feu ici? On peut faire un feu. C'est une tanière de loup. Par contre, faut qu'on dorme. Où est-ce que ça va? Il y en a d'autres ou pas? Ah, ça a l'air de sortir. Moi je dirais on revient en arrière et on mange le loup. Ouais. Non? Enfin je sais quoi que non, ça sert un peu à rien. On n'a pas vraiment besoin de faire à manger. Alors là je suis surpris là. Alors là, je suis légèrement surpris. Si j'avais su... Je suis complètement perdu. On va continuer à aller sur la droite. Où est-ce qu'on est? Ça a l'air méga grand.
va continuer à aller de ce côté-là. Je sais pas ce que c'est. Moi, ouais, juste des. La décoration. Mais c'est gigantesque ici. Pour l'instant, on n'a pas récupéré grand-chose par contre. Hein. Pas dire, mais il va falloir vraiment qu'on dorme aussi. Je voudrais bien trouver une sortie en fait, et après on dort de, à côté de la sortie. On a bien eu le loup en tout cas. On va aller de ce côté-là, parce que là on va retourner sur nos pas. On est à combien de kilos là? 40. Parce qu'on a, on est un peu limité en lumière, donc je voudrais bien trouver une sortie. Comme ça, on se met à la sortie et on dort, et puis on sera à côté, quoi. Pas besoin de rallumer quelque chose. Ouais, alors là, là du coup... oui, c'est vrai que la lampe serait vraiment utile. Il y a encore du charbon... C'est quoi ça, quitter la grotte? Là, j'avoue que le... Oui, ça serait utile, là. Où est-ce qu'on est? On va prendre ça. Et... Waouh! Waouh, 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 quoi! Ah, du coup, il faudrait retourner. Faudra dessiner. Ah, c'est là-bas maintenant. Oh, on est de l'autre côté. Mais est-ce qu'on est en contrebas ou on est toujours à la hauteur? On va en retourner dans la grotte. La question, c'est est-ce qu'on est à la hauteur du feu après avoir pris genre la corde, ou alors on a du coup on retourne vers le bas là. Oh putain, je vois strictement rien par contre. Oh. Ça va être lourd. Ouais, bon, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Ah, nos vêtements, ils ont pris très très cher. Hein. Nos vêtements, ils ont pris très 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 cher. Là, j'avoue que c'est... Là, j'avoue que c'est un peu la merde. C'est un peu la panique. Un peu la panique. On va récupérer le plus de vie possible. Presque jour. De toute façon, on est toujours en vie. Il va falloir... Ah, ça m'embête, ça, le cache-oreille en laine. Comme j'avais dit, c'est vraiment le truc le plus fragile et qui se casse le plus facilement possible, quoi. Et nos vêtements. Tout ça à cause du fait qu'on a utilisé le pied de biche, quoi. Je me déteste. Honnêtement, je me déteste. Là, je... Ça va m'énerver. Ça va me rester en tête. Bon, on va sortir. Et on va dessiner. Il doit faire assez jour là, non? Non. Là, on peut monter. Ok. Je vais juste attendre. On va se... Oh la vache, il fait froid. Moins 25 degrés. Ah ouais, du coup, le problème, c'est ça, en fait. C'est que les vêtements, en fait, se sont tellement fait déchirer tout ça, que maintenant, bah, ça protège beaucoup moins. Ça fait 1, 2, 3. Moins ça, c'est moins... C'était 1 degré, je crois. En bon état. C'était 1 degré. Donc là, on a perdu 1 degré. Enfin, plus le reste. Hein. Plus le reste. Oh mon dieu, c'est bruit là de grotte. J'ai même pas envie de d'enlever l'écran pour regarder ce qu'il y a. Quoi. Genre, regardez-moi le noir. Non.
C'est bon, il fait assez jour. On va juste attendre qu'il fasse jour. Comme ça, on sort de la grotte et on n'aura pas froid. J'ai tellement pas envie de le recycler. Il n'y a pas une forge qui permet de réparer les vêtements. Ça n'existe pas. On va faire une autre torche à 100%. Ah, très bien. On va sortir, on dessine vite, comme ça on sait plus ou moins où on est. Regarde-moi ça! Mais t'es sérieux, il fait aussi froid que ça? Une catastrophe. Ah, on arrive un peu à distinguer maintenant. Bon, voilà. Alors, fais voir un peu la carte. Ah oui, elle a dessiné ça, elle. Grotte de glace. Ok, nous on a fait... On est monté comme ça. Et là, il y avait une grotte apparemment. Donc, il faudrait aller là. Je pense que le feu, il est là. Mais bon, est-ce que on n'est pas retombé là? Moi, c'est ça là, la question. Est-ce qu'on n'est pas maintenant en contrebas comparé à... Enfin bref, on va voir ça. On va se réchauffer. Après, s'il fait jour dans la grotte... On peut avancer sans lumière? Ce jeu serait super étonné qu'on puisse avancer sans lumière. On peut un peu le faire. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'utiliser trop d'allumettes juste pour de la lumière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu qu'il fait extrêmement froid dehors, je préférerais rester dans la grotte. Vous voyez? Mais... ouais, on va voir. Si vraiment il fait trop froid pour balader, on va essayer le coup de la grotte sans lumière. Ça a l'air d'être potentiellement visible. Oh. Ah oui, on avait dit qu'on voulait monter. On monte. T'es sérieux? Comment on y va là-haut? Minutes. Mais non, mais il fait trop froid, on peut pas faire ça. Ouais, non, il va falloir tenter la grotte là parce que. On était sur l'autre rive? Si je dis pas de bêtises. On était sur l'autre côté, on était bien sur l'autre côté. Oh la vache. Ah, on va tenter la grotte. Et au pire, j'allumerai une torche. Mais là, non. Là, ça sert un peu à rien. Là, il fait déjà trop froid et... On va voir. Froid et on est trop loin du chemin qu'on avait. Bon, par contre maintenant vu que c'est sombre, je crois que je prends pas du tout le bon chemin. Là, je suis en train de tourner en rond. On pourrait faire des tags. La vache, plein de trucs.
Attendez que je loupe pas des choses. Cool. Bon, bah, en parlant d'allumettes, c'est déjà bien. On est à combien? 40. 41. Donc j'imagine que dans cette zone-là, il y a des grottes de glace. Car ça s'appelle comme ça apparemment, c'est pas juste des grottes, c'est des grottes de glace. Et elles doivent être toutes connectées entre elles. Si j'ai bien compris. Genre c'est un réseau énorme de grottes quoi. Ah, torche. Ah bah du coup c'est d'où on vient. C'est d'où on vient, donc on retourne vers le loup là qu'on a tué. Ok, là c'est sombre. Ah, il y a la corde. On voit la corde. Ah, bah ça va, c'est pas très très loin non plus. Du coup, est-ce qu'on est pas... Je pense qu'on avait fait le tour, il y avait le cadavre. Là, il y a le loup. En train de me dire, ouais, est-ce qu'on prend pas quelque chose sur le loup? Ah oui, c'est vrai qu'on est trop. Il va falloir qu'on fasse à manger. Mais là, on doit prendre une corde, donc on va pas... On va prendre une corde, donc... Ah, très bien. Donc on va pas prendre la viande. Là? Là, j'imagine. De toute façon, on va vite voir. Hein. De toute façon, on va très vite voir si on est là ou pas. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est là. C'est bizarre, on a dû tourner en rond. On a dû prendre plein de bifurcations et tout ça. Et au final, c'était pas... Oui, il y a les corbeaux, donc c'est le... Oui, on est au bon endroit. Non, attendez. Ouais, c'est bon. Il y a les corbeaux à droite aussi. Il y a l'air d'avoir un pont, on va devoir monter. On va d'abord se réchauffer, on va aller... je crois qu'on va faire un feu à côté du loup. Pour récupérer la viande et les manger. Et avoir de la nourriture. Je crois que c'est une bonne idée de faire ça. Il ne faudrait pas qu'on soit bloqué par le manque de nourriture. Et refaire de l'eau aussi. Voilà, c'est bien. Là. Et refaire de l'eau. Et vu qu'on a trouvé des allumettes, bon, ça va. Corbeau partout, quoi.
Il y a des corbeaux partout. Ah là 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 là. On va plus en parler, hein, du fait d'avoir pris le pied de biche et tout ça, par erreur. Ça devrait automatiquement prendre l'arme la plus puissante, honnêtement. Je crois que plus on a une arme puissante et plus c'est facile à matraquer la touche, en fait. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Voilà, charbon. J'aurais dû mettre du charbon directement. Très bien. Faudrait qu'on fasse de l'eau aussi. Bon, ça me... Voilà, on va faire ça, on va le déchirer parce que ça me rend triste en fait de le voir dans l'inventaire. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Il est plus là. Il n'existe plus ce cache-oreille là. C'est fini. J'adore ce jeu. Je veux aller voir ce qu'il y a là-bas, moi. Ah, ça sert à rien, on voit strictement rien. Je voulais récupérer des torches et tout ça. Oh mon dieu. Je voulais récupérer des torches, genre parce qu'on avait plusieurs heures de feu. On aurait pu récupérer plein de torches. Quel carnage, mais quel carnage, cet endroit. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est les vêtements qu'on peut pas réparer maintenant. Là, on a de l'eau non potable. Faudra faire attention de ne pas la boire. Je sens qu'on va dormir. Elle va être en pleine forme, c'est un peu le problème, mais bon. Elle va pas dormir la nuit, quoi. Bon, ça a l'air d'être... de s'être amélioré. Parce que le fait de dormir, en fait, on consomme moins de calories et d'eau. Au lieu de lire ou d'attendre. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Même si dans un sens, en fait, on devrait pas dormir. Parce que du coup, oui, on reste... Enfin, ça va être embêtant pour dormir. Quand on va vouloir dormir. Bon, ça a l'air d'être... Bon, là, il fait pas trop froid.
Bon, on va continuer sur cette lancée-là. Bon, en théorie, le feu était là-bas, là, la fumée. Là-bas, il y a aussi des corbeaux, donc on va... Donc, tout indique de monter. Voilà, tout indique monter. Donc, on va voir ce qu'on a. Par contre, on a de la viande crue sur nous. Je sais pas si on peut passer par là. Pas l'impression. On peut passer par là? Genre accroupi là, non? Non. Mince, on est dans un cul-de-sac. Ou alors faut continuer en bas. C'est quoi ça? Ça sert? Non, on s'en fout. On va continuer par là alors. Elle est intéressante cette zone, c'est juste qu'elle est, elle est très très difficile en fait pour se déplacer. Et le froid aide pas en fait, là, le froid aide pas. Et là vraiment, là le coup des vêtements qui sont abîmés, c'est genre un clou dans le cercueil quoi. Un clou de plus. Un clou dans le cercueil, c'est pas ça l'expression. Enfin, bref. Là on pourrait se mettre pour protéger du froid. On va passer par là. Il y a des lapins. Oh, on y est arrivé. Ah, oh. C'est quoi là, l'arnaque? Dis-moi que ça tient chaud au moins ce truc. C'est quoi un feu? Ah, il y a un... Feu d'alarme mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait chaud à côté? On peut mettre une corde là. Déployer, mais j'ai pas de corde. C'est quoi cette arnaque? Ça tient même pas chaud! On a un cadavre. On a une pierre, waouh, ouais, une pierre à tailler là. C'est pas mal. De l'élan cuit. Un igloo. Oh merde. Alors est-ce que ça vaut le coup? Bah... Pas vraiment. Pas vraiment, mais on a atteint le feu au moins. Il y a des lapins et tout ça, on peut... Honnêtement, j'ai envie de partir, moi, de ce zone. On peut... Yes, on a chaud. Pouf!
Alors... 47 kilos sur nous. On a 47 kilos sur nous. C'est à cause du marteau. On a gagné un marteau. Une pierre à aiguiser. Un nécessaire de couture. C'est pas énorme, honnêtement. Ah oui, on a eu ça aussi. Veste Mackinaw. Mackinaw. Usé. Veste en laine lourde au style résolument canadien. Très apprécié par les chasseurs et les bûcherons. Cool. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vous dise, moi? C'est, ouais, c'est sympa. C'est super. On n'a pas... Je regarde si on peut pas perdre du temps, mais honnêtement, il n'y a rien à faire. Honnêtement, je pense qu'on va rentrer. Parce que, en fait, là, on est trop lourd. C'est ça le problème. Le gros problème, c'est qu'on est grave lourd à cause du marteau qu'on a trouvé. Je sais même pas si c'est utile d'avoir ce marteau. Donc moi j'ai simplement envie de rentrer parce qu'on n'est pas très loin de du camp. Et après on y retourne, Mais il faudrait aussi réparer nos vêtements. Il faudrait réparer nos vêtements. Avec les peaux de lapin et les peaux de cerf et tout ça. Moi j'ai envie de faire ça. Moi j'ai envie de rentrer en fait. Et là jouer sécurité. Parce que là, c'est débile, si on a 2 kilos de plus. On va pas le laisser le marteau, on va pas le laisser ici, ça sert à rien. On a aussi un faitout en plus. On a eu des allumettes. On a eu quelques bois. Ouais, j'ai envie de rentrer, moi. Est-ce qu'on rentre maintenant ou on rentre le prochain épisode? Ça va faire au moins une heure déjà. Bon, déjà on a un igloo, c'est pas mal, on est protégé. Ça, j'avoue que c'est pratique. Je crois qu'on va rentrer pour le prochain épisode. On va manger ça. Très bien. Ça, il faudra le jeter. Je pense que pour le prochain épisode, on va rentrer. On fera un aller-retour. Quoique, j'ai pas envie d'après de perdre du temps. Bon, on a trouvé beaucoup de bois. Hein. Enfin, on a trouvé quoi? 4. Il y en a sûrement plein, en fait, dans cette zone. J'ai l'impression que cette zone, c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment difficile. Donc, je dirais que c'est la grosse récompense de la zone, en fait. C'est de trouver des bois comme ça. Il va falloir qu'on répare... un peu les vêtements qu'on répare. Les bottes, ça fait 1, 2. Pantalon serait bien aussi. Ça ferait 2 peaux de cerf. Et après, il nous faudrait une peau, 2 peaux de lapin. Deux peaux de lapin à peu près. Ça va, c'est pas énorme ce qu'il nous faut, mais bon. Bon, on va encore dormir et ça va être la fin de notre épisode. Eh ben, c'était mouvementé. Honnêtement, je regrette... Est-ce qu'on regrette d'être venu? Ouais, ça nous fait une aventure. On n'a rien perdu de fondamental. Bon, c'est juste... Oui, le cache-oreille, c'était un peu bête. Parce que c'est quand même... C'est vraiment le degré gratuit. C'est un degré gratuit, quoi. Donc là, du coup, bah oui, c'est mort. C'est... Voilà. C'est pas grave.
C'est pas grave, de toute façon, le loup, même si on avait... Ah oui, on a trouvé une scie aussi. Le loup, si on avait utilisé peut-être le couteau, ça aurait été pareil, ça aurait été la même chose, honnêtement. Donc, on est encore en vie, c'est le principal. Comme je dis toujours, c'est le principal. Donc, on va dormir le plus possible. Et on retournera à la maison. On réparera nos vêtements, et puis après, on reviendra ici, sur cette zone. On fera un aller-retour. Mais il faut qu'on se vide, là, entre le marteau, la scie, tout ça, on a au moins 4-5 kilos de trop, en fait. On va pas se trimballer à plus de 50 kilos, quoi. Non, non. Voilà, ce sera... Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.